Donc nous, nous appelons Electro Deluxe, et ce soir on n'est pas venu tout seul, on est venu, s'il vous plaît, vous pouvez les applaudir, le Big Bang s'il vous plaît. S'interdit rien du tout, on se pose aucune question jusqu'à ce que le disque soit fait quoi. C'est-à-dire au départ on se dit pas il faut qu'on se cantonne dans quelque chose de jazz, qu'on se cantonne dans quelque chose de soul ou dans quelque chose de hip-hop. Et qu'à chaque fois que quelqu'un amène une idée ou une composition qui plaît, si ça plaît aux gens, si on assume ça sur scène, on essaie simplement de faire la musique qu'on aimerait vraiment entendre. C'est notre seule règle. C'est-à-dire que sur notre disque, normalement, au moment où on l'a terminé, c'est le disque qu'on aimerait à ce moment-là nous-mêmes écouter. Ce concept de la reprise décalée, il s'est beaucoup généralisé là. Donc c'est une super idée. Quand l'idée est vraiment bonne, quand il ne s'agit pas de faire une reprise pour faire une reprise. Bah, il faut que ça soit senti. Parce que des versions lounge, disco, de tout, on les entend. Et nous, c'était vraiment... moi, je trouve que Still Staying Alive, il est intemporel, il est magique. Ouais. Et que nous, on pouvait vraiment lui donner notre couleur. Et quand on l'a essayé en studio, je me souviens que tout de suite, tout le monde avait adhéré. Et on attend juste d'avoir la même révélation. Il faudrait la reprise un petit peu universelle, que tout le monde connaît. Et comment vous l'avez rencontré ce chanteur, parce qu'il n'était pas présent au début du groupe là. Comment ça s'est fait la rencontre? Tout simplement parce qu'au début Américain, du groupe, des Français. Au début du groupe, il chantait même pas. James, il s'est découvert une vocation très tard. L'histoire est assez cocasse parce qu'il était au-dessus de la France, vers Narbonne, ouais. Et puis il est allé voir des amis qui avaient un groupe de rhythm and blues dans un bar qui jouait. Et puis à un moment, il y a quelqu'un du groupe qui lui dit bah, « James, toi t'es américain, tu veux pas chanter une chanson, tout ça ?» Alors lui, il n'osait pas trop et tout ça, et ils ont insisté, il est venu, il a chanté une chanson, et là, bon, le chanteur du groupe a immédiatement arrêté la musique, il a été caché. Et il s'est passé quelque chose, une révélation. Et ce soir-là, donc nous n'y étions pas du tout, mais j'avais une copine à moi qui était en vacances qui avait filmé ce moment et qui, de retour à Grenoble, où je vivais à l'époque, m'a dit « j'ai vu un mec vraiment dans le sud qui est épatant », elle m'a montré une vidéo de lui. Et elle me dit « j'ai son numéro », et je l'ai appelé et je lui ai dit « faut que tu viennes chanter avec nous », il est venu. Il a dit bingo tout de suite. Et depuis, il est musicien, mais avant il avait un travail normal. Et... Ah bah pourtant, on l'a débauché. En plus, il joue de l'harmonica. Bah oui, il a une vraie culture... musical quoi, c'est vraiment quelqu'un qui a ça dans le sang. Pourquoi on fait de la musique, il y a des gens qui nous ont tellement donné envie. Voilà, les influences majeures quoi. Ouais, je pense à Herbie Hancock, je pense à Michel Ndegeocello, je pense à... c'est tellement varié. Il y a plein d'artistes comme ça, il y a des rappeurs aussi avec qui on rêverait de... Ah, vous avez la fibre hip-hop quand même. Oui, beaucoup. Assez... En fait, vous seriez surpris d'écouter ce qu'il y a dans notre iPod, parce que c'est toujours en décalage avec notre musique. Je crois que nos influences sont en avance par rapport à ce qu'on a déjà produit. Donc en fait, ce qu'on écoute dans notre iPod, ça ressemble peut-être à ce qui va arriver de nouveau chez Electro Deluxe. Ah!
Gallagher, oui, Gabriel Gallagher. Comment ?